Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes vendredi et encore une fois j'ai décidé de clôturer ma semaine puisque demain je n'aurai pas le temps. Donc voilà, j'ai préféré faire un petit bilan, j'ai fait les courses hier donc ça devrait être bon pour le week-end. Alors, je vais vous faire voir les petites nouveautés que du coup je vous ai faites. J'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de commandes. Je vous remercie infiniment. Franchement, ça me fait très très chaud au cœur. C'est vraiment incroyable l'ampleur que ma chaîne prend. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant tout simplement sur pause pour la vidéo et à aller vous abonner et activer la petite cloche. Et bien, tout simplement pour avoir une notification quand une nouvelle vidéo va sortir. Donc, les petites nouveautés. Alors, déjà, j'ai reçu, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, le petit classeur et donc pailleté. Donc, voilà, je tenais à l'avoir et ça y est, j'ai enfin reçu ma commande. Donc, donc c'est parfait. Alors, petite nouveauté, je vous ai fait, donc vous les avez en tracker et vous les avez également en enveloppe épargne, un petit tracker Disney. J'ai eu plusieurs personnes qui me les ont demandé, donc voilà, ils sont faits, ils sont sur la boutique depuis hier soir je crois, hier ou avant-hier, donc j'ai déjà eu pas mal de demandes, donc voilà, sachez que toutes les commandes qui ont été faites jusqu'à ce matin, voilà, je viens d'en terminer une juste avant de tourner la vidéo et ça part, pour celle que j'ai faite aujourd'hui, ça part demain matin, donc voilà, tout est à jour. Donc, le tracker Disneyland, voilà, vous la retrouvez également donc en enveloppe, comme celle-ci, voilà. Et puis j'ai également fait le parc Astérix, donc en enveloppe. Et vous la retrouvez tout simplement également en tracker. Et puis, on m'a demandé Center Park, on m'a demandé différents parcs. Donc, si vous souhaitez, ou même tout simplement parc à thème, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer un petit mail ou tout simplement à m'envoyer un message dans la boutique Etsy. Et ça sera avec plaisir que je répondrai à votre demande. Donc voilà, et puis j'ai eu une maman qui m'a demandé donc pour une naissance, donc naissance bébé, donc elle c'est un petit garçon, donc voilà, je lui ai faite avec le tracker tout simple. D'ailleurs, je pense faire des enveloppes neutres, tout simplement avec un petit encadré noir et en mettant pas de couleur, mais en mettant voilà tout simplement l'intitulé de l'enveloppe avec un petit logo qui correspond. Donc voilà, donc ça c'est pour les petites nouveautés. On va tout simplement vider maintenant ensemble le Filofax et voir combien j'ai pu épargner cette semaine. Donc c'est parti. Donc le petit pot et l'arc. Hop. Donc je crois que je n'ai plus beaucoup de monnaie. On va vérifier ça ensemble. Et il me semble, voilà, j'ai... 2 euros, 3 euros et 2 centimes. Donc je vais mettre les 1 euro et 2 centimes dans le petit pot et je garde ma petite pièce d'1 euro. Donc alimentation 20 euros. Voilà, j'ai fait des cours. J'ai même cette semaine, je me suis fait un petit plaisir et je trouvais ça très important. J'ai été chez un producteur directement local. Alors en fait, c'est une boutique qui regroupe plusieurs producteurs locaux. Donc, elle nous propose différents paniers, en fait, avec différentes choses dedans, en fruits, en légumes. Et je me suis basée... Oui, j'ai été très, très bonne cette semaine. J'ai fait mon menu de la semaine. Donc, je me suis basée en même temps sur les fruits et légumes que j'ai eu. J'ai fait une tarte au chocolat fraise, une grimole aux pommes... j'ai fait du poisson papillote façon provençale, enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses avec donc mon petit panier, donc je suis ravie.
Loisirs et sorties, eh bien, je n'ai toujours rien trouvé à acheter. Et pourtant, Dieu seul sait que je suis une acheteuse compulsive et que j'adore, franchement, voilà, aller dans les magasins, acheter des choses, la déco, tout un tas de choses, même des choses qui, au final, qui servent à rien. Mais voilà, et bah voilà, ça va faire 2 semaines que je n'ai pas touché à cette enveloppe, donc je retire les 20 €. Entretien, hygiène, je n'ai rien eu besoin cette semaine et comme je vous avais expliqué, c'est 40 € pour le mois. Donc voilà, je retire les 10 € et puis je vais la remplir tout à l'heure. Santé, eh bien écoutez, c'est toujours pareil, aucun petit rhume à l'horizon, donc je laisse les 20 € pour le mois. Maison, l'enveloppe était vide, il va falloir que je remette 20 € dedans, c'est ce que j'avais mis en petite note, voilà. Et divers, et eh bien écoutez, divers, il y a toujours les 20 €. Donc, hop, on les garde, on les met de côté. Perso, du coup, il n'y a rien. Carburant. Donc, carburant, j'ai encore payé une nouvelle fois en carte bancaire. Mais la semaine prochaine, si j'ai vraiment besoin de. Voilà, d'essence, je me servirai du billet de 20 qu'il y a dedans. Et peut-être que ça me suffira pour la fin du mois. Je ne sais pas encore. On verra ça ensemble. Donc je ne l'ai pas indiqué là, je l'ai indiqué sur mon tracker de carte bancaire. Défi 5 €, et eh bien 2 petits billets de 5 cette semaine. Et donc voilà, le carburant. Et puis bah du coup, voilà, je vais vous faire voir mon enveloppe épargne beauté et vide. Finalement, j'ai décidé d'aller chez le coiffeur ou au coiffeur, je ne sais plus exactement comment on dit, excusez-moi. Cette semaine, donc voilà, j'ai rajouté 12,80 € puisque j'en ai eu. J'ai utilisé 85 € et j'ai rajouté 12,80 €, voilà, pour le coiffeur. Donc le Filofax est vide. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 80 € pour cette semaine. Eh bien écoutez, plus que ravi, c'est parfait ça. C'est parfait, c'est parfait. Donc, hop, nous allons prendre le classeur d'épargne. Donc j'ai enfin pu aller retirer l'argent qui me manquait. Petite rectification pour la vidéo. L'ancienne, donc le remplissage et le vidage de mon Filofax de la semaine dernière, je vous avais indiqué ici 1360 ou quelque chose. Au final, je me suis complètement balée, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était bien 50 € puisqu'en fait, j'avais comptabilisé l'argent que j'avais eu, mais que j'avais intégré dans le fonds de secours. Donc, il fallait tout simplement que je compte 50 et non 160 comme j'avais dû calculer. Donc, c'était bien 1 200 € que j'avais en épargne. Je cherche ma petite éponge, voilà, qui est là. Je vais tout simplement hop, effacer. Et puis, on va regarder où on en est ensemble. Donc, en tout cas, moi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis que vous avez des projets pour la réouverture des magasins et tout ça la semaine prochaine. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, restez vigilants, gardez tout simplement vos distances sociales puisque voilà, le virus est encore là, mais voilà, soyez raisonnables tout en vous faisant plaisir, c'est le principal, ça va remonter le moral. Donc, petit changement, la beauté, donc j'ai indiqué 0. Donc, comme je vous avais dit, ça c'est une enveloppe d'épargne temporaire puisque ça bouge régulièrement et sinon il n'y a pas eu non il n'y a pas eu d'autres modifications de fait. Donc hop là, donc épargne du mois aujourd'hui, donc je vais pas compter mes billets de 5 mais je vais rajouter 70, voilà, 5 6 7 8 9 10 11 et 12, 120 si je me trompe pas. Je vous avoue, j'ai un petit peu la tête, un petit peu, pardon pour le bruit, un petit peu la tête. C'est un petit peu compliqué en fin de journée là, surtout que je me dépêche un petit peu pour la vidéo puisque j'ai mon petit chat à aller récupérer. Donc 120, c'est bien ça, qu'on ne se trompe pas, que les comptes soient justes. Donc 120, voilà, en 15 jours, c'est super top. Défi 5 € et bien encore 10 €. Ça commence à faire beaucoup dans cette petite enveloppe. Voilà. 20. On va y arriver. 20 € voilà.
Voilà. Vacances, donc toujours les 100 €. Anniversaire, 60. Noël, j'y touche pas toujours. Donc 100 €. Vêtements, il n'y a rien qu'à bouger. Animaux, non plus. La santé, non plus. Et voilà. Donc j'en ai eu pour 107,80 €. Donc mon enveloppe est vide. Je la remplirai de nouveau le mois prochain. Enfant, rien. Perso, si, perso, j'ai enlevé 10 €, voilà, pour combler le coiffeur. Puisque si vous calculez 85 plus 10, on arrive qu'à 95. Donc voilà, les 12,80 € que j'ai payé en carte bancaire, j'avais également donc pris dans mon enveloppe perso, mais je remettrai le mois prochain, il n'y a pas de problème. Fonds de secours, on est toujours à 360 et effectivement, je ne l'ai pas fait avant la vidéo, mais les ventes, j'ai décidé de tout garder en fait sur mon compte. Ça me permet d'aller à la poste et de payer tous les frais de livraison. Voilà, d'avoir cette partie-là. Donc du coup, pour l'instant, tant que je n'ai pas remis des vêtements de mon fils en vente, je ne la re-remplirai plus. Donc voilà. Et je me dis que si effectivement ça a bougé là, puisqu'il n'y a plus les 160, donc je les retire. Même si cet argent, je l'ai mis sur l'épargne de mon fils, puisque c'est des vêtements à lui, donc que j'ai vendus et des matériels périculture. Donc du coup, voilà, j'ai mis cet argent de côté sur son compte. Voiture, on n'y touche toujours pas, il y a toujours les 20 €. Et puis baptême, et ben baptême, ça va attendre. Donc pour le remplissage, hop, de cette semaine. Donc alimentation, toujours 120, 110, pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Et un billet de 10. Je sais pas vous, mais alors je suis peut-être un peu bizarre, mais j'aime bien que les billets soient tous dans le même sens. En fait, ça me stresse un peu. Je trouve ça pas très beau. Je trouve ça pas très beau que ça soit pas mis dans le bon sens. Alors, hop, ça c'est bon. Loisirs et sorties, donc 20 €. J'espère bien cette semaine aller faire un petit quelque chose, un petit plaisir. Voilà, histoire de m'aérer aussi la tête. Entretien hygiène, et bien du coup, je mets les 20 € qui restent pour la fin du mois. Santé, on ne rajoute rien. Maison. Maison, et bien on va rajouter 20 €. Et puis divers, 20 € également. Bon, j'espère bien pouvoir voilà, faire quelques autres petits achats. Mais c'est vrai qu'avec vos commandes cette semaine, je n'ai pas eu le temps. Mais promis, je vais me rattraper et aller profiter un petit peu. Donc voilà, nous avons fini. Donc, bah non, nous n'avons pas fini. Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez, quand je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc, excusez-moi, on va remplir du coup. Hop, donc on a dit. Non, c'est pas ici, décidément. Je ne fais que des bêtises aujourd'hui. Alors, je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir un petit peu la tête un petit peu ailleurs aujourd'hui. Donc, 120. Donc, ici, on rajoute 120. Voilà, et ici nous rajoutons 20 €. Donc faisons le total du mois. Donc, hop, on a dit 100 plus 60 plus 100 plus 60 plus 40 plus 40 plus 40 plus 320. Plus 20, plus 120 et plus 20. Eh bien, nous retombons à 920 €. Voilà. Mais c'est surtout le fait que j'ai enlevé l'enveloppe vente, du coup, qui fait chuter un peu le suivi d'épargne. Mais voilà, ça va remonter tout doucement. Comme je vous ai dit, il y a certaines enveloppes qui sont des enveloppes. Tout simplement temporaire. Donc voilà, ça varie. Par contre, il y a des enveloppes auxquelles je ne vais absolument pas toucher, puisque ce sont réellement de l'épargne que je mets de côté. Je vois fonds de secours, l'enveloppe de mon fils, je ne vais absolument pas y toucher. Les animaux au minimum.
Voilà, donc vacances, pour l'instant, c'est pas prévu. Ou peut-être en septembre. Les anniversaires, c'est vraiment. Alors, en anniversaire, c'est vraiment l'enveloppe pour mon fils et certainement certains membres de ma famille. Donc, c'est pas prévu pour tout de suite. Donc, il y a encore le temps. Voilà, bah écoutez, on a fini pour cette semaine. Je suis vraiment désolée, je suis un petit peu patatrac, mais on garde le sourire. Moi, je suis très contente, voilà, de vous retrouver chaque semaine. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Sophia. D'ailleurs, petit aparté, pour celles et ceux qui souhaitent des enveloppes en format A7, c'est possible. Donc, coucou Sophia, si tu me regardes, voilà, ta commande est prête, c'est un réel plaisir. Donc, le format A7 est disponible et il est également disponible pour tous les trackers, pour toutes les enveloppes que vous avez sur mon site Etsy que vous retrouvez en barre d'infos. Voilà, je le fais pour tout, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je répondrai avec plaisir. Et puis voilà, profitez du coup, bah écoutez, de votre week-end pour celles et ceux où il y aura un petit peu de soleil, pardon. Allez vous aérer l'esprit. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Merci de votre visionnage. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et tout simplement, voilà, de pouvoir mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à très vite. Gros bisous!